m'appelle Daniel Zwicker, je suis le responsable France et Belgique de la société Hoffmann, qui est détentrice d'un brevet d'un système d'assemblage que nous proposons depuis une dizaine d'années maintenant. Alors, nos clients sont des structures moyennes, grandes, voire les petites, des menuisiers, encadreurs, fabricants de portes, fabricants de fenêtres également. Alors moi j'ai un parcours atypique, je ne suis pas du tout issu du milieu bois. J'ai longtemps dirigé une unité de production de cotillons en Alsace. C'est la fermeture de l'usine qui m'a obligé à me diversifier. Donc je suis rentré dans le domaine du bois sans aucune connaissance, mais avec de la persévérance et puis une formation qui m'a été offerte par la société Hoffmann. J'ai pas eu trop de soucis. À mon niveau, cela m'a paru moins important que le relationnel. J'ai jamais rencontré autant de besoins de relationnel que dans le domaine du bois et de la menuiserie. Les gens sont vraiment, ce sont des gens extrêmement, ce sont des gens vrais déjà. Il faut rester droit parce que dans la menuiserie et dans le bois. En général, tout se sait et très rapidement. Donc en fait, il y a beaucoup de relationnel, un peu de technique, parce que la technique, les menuisiers, ils l'ont depuis bien longtemps et bien avant nous. Oui, là, je voyage, j'ai la responsabilité de la France et de la Belgique, donc je suis quasiment sur les routes chaque semaine. Je fais environ 60 000 km dans l'année. À l'heure actuelle, c'est encore un plaisir. Avec l'âge qui avance et qui arrive, peut-être ce sera un peu moins. Mais pour l'instant, ça reste un plaisir et un beau métier. Ah, écoutez, moi, je pense qu'il faut être, il faut être bien droit. Je travaille avec beaucoup de revendeurs. La qualité essentielle qu'ils me reconnaissent et qu'ils me soumettent et qu'ils me certifient, c'est je n'ai jamais quand je m'engage, quand on s'engage, ben il faut rester sur la voie. Ne jamais essayer, je ne vends jamais par derrière, je vends jamais en direct, je travaille avec des revendeurs, avec une équipe que j'ai mis en place, je la respecte. Alors les conseils que je peux lui donner, c'est de sélectionner déjà le produit dans lequel qu'il veut représenter. Il faut qu'il y ait un amour du produit. Moi, quand j'ai eu le système d'assemblage, ça m'a subjugué. Et quand on a l'amour du produit, ensuite les paroles, les arguments viennent tout seuls. Il ne faut surtout pas vendre un produit qui nous ennuie ou auquel on ne trouve aucune qualité. Ça, c'est pas essentiel. You know we can do.